Nansovic, mettez avec Akodep pour solidarité nous à la population qui est victime, secteur privé, hein? Mais en même temps tout, dénoncer délinquants, voyous, des chouquets qui ont infiltré revendication population. Hein? Comment les gens qui ont manifesté dans la rue? Nous voulons aujourd'hui que tout le monde connaît, nous honte pour soi-disant quelques leaders dans l'opposition qui croient que la meilleure façon pour conquérir le pouvoir, c'est dans déchoucaille, c'est dans craser briser, c'est dans bouler, c'est dans mettre à genoux la classe moyenne. Je dis à nous dire, une autre fois encore, population haïtienne, peuple haïtien, revendication n'est juste, elle est plus que juste. Oui, manifestation capable de faire, population qui a mis de barricade, s'il estime, elle frappe, mais elle n'a pas attendu. Cependant, river pour détruire toute institution, commerce, mettre des faits, craser, briser, détruire classe pour un an, ou pas qu'à pêcher les gens, ou dire qu'on défend les gens pour ne pas payer 309 gouttes de gallon gaz, et pour bouler machine de 100, qui vaut 100 000, 250 000, qui vaut 100 000, qui vaut 50 000, 80 000 dollars américains, ou bouler la machine parce qu'on ne veut pas payer un gallon gaz. 300 dollars $60. On pas quoi que logique dans ça pour y tuer au monde pour parce que ou va défendre pour pas payer en gaz, en gallon gaz 273 gouttes. Moi pas quoi. Ça veut dire aujourd'hui à nous-mêmes nous dit peuple haïtien. Gardez dans entourage ou là. La République dominicaine besoin manifeste besoin bataille contre la corruption. Près de 500 000 personnes descendent dans la rue. Ils ont manifesté, hein? Ils n'ont pas cassé machine, ils n'ont pas cassé magasin, ils n'ont pas pillé, ils n'ont pas volé. Et revendication, ils ont passé. Au Brésil, la population brésilienne fait l'État brésilien fait bac sur l'augmentation du gaz. Ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas pillé. Au Nicaragua, problème, parce que c'est avec l'État qui a gommé. Mais, qu'est-ce qu'on aime ça? Nous tous connaissons dans qui l'enfer la vivre, dans qui situation difficile la vivre. Ou coûter bandit qui est filtré, ou pas arrêter avec ça, cap craser, cap piller, cap déchouquer. Non, non, c'est où ils utilisent comme bouclier humain, ou accepter. Et puis on a radio, nous quoi, c'est pas normal. Et ça qui est drôle aujourd'hui, c'est lorsque je m'entendais des avocats, des députés. Qui a revendiqué de choukaïo. Qui a revendiqué que la justice, le parquet, pas de droit mettre action publique en mouvement contre moun kal vole bagay moun, contre moun kal piller kay moun, contre moun kal met dife kay moun. Dans qui pays nous y est? Eh bien, nous-mêmes, nous attendons à ce que l'autorité à plus haut niveau prenne responsabilité parce que, nous rappelons, nous-mêmes, nous avons déjà dénoncé, nous avons dit d'abord à président Jovenel que Jacques Guy Lafota pas capable. Et c'est ça que tu as expliqué toute manifestation que tu as fait pour ne pas arriver là. Je dis encore, nous t'entendons dans le regard qu'a fait pour Jacques Guilafontaine démissionner. Nous voulons que l'État à plus haut niveau prenne responsabilité. Parce que ça que fait là, ce n'est calculé. Nous-mêmes militants qui t'avons revendiqué départ Jacques Guilafontaine. Jacques Guilafontaine mobilisé Boy, Simo, Katim, Swat, Idbo, puis à l'écrasant bureau que nous avons d'Alma 60. Soi-disant, il y a des militaires là-dedans. Alors, ce que c'est sous deux militaires qui sont montés. Pourtant, mes bandits, délinquants, ont boulé magasin, ont crasé, ont pillé, ont tué les gens, pas des policiers, pas des policiers qui répondent conformément à la mission qui s'est servi à protéger. Eh bien, de ce fait, nous-mêmes, je dis, nous demandons encore qui ça l'État tente, qui ça Jacques Guy Lafontaine. Attends, est-ce qu'elle pas une famille? Est-ce qu'elle pas pourquoi elle dit ces médecins? Sous ces médecins fait partie d'une famille ou d'une classe ou des condisciples ou des amis? Pour pas qu'aucun ami qui dit Jacques Guy Lafontaine, lui tend pour tirer la référence. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous-mêmes, nous dit, tout militant, combattant qui est avec nous, et si il y a une mobilisation, oui,
pour revendication, pour la vie chère, pour grand goût, pour chômage, pour insécurité. C'est normal pour tout le monde pour te coller. Nous sommes des militants, combattants, ou même qui habitués à goûter en face de la balance. C'est pour nous camper en face, pour nous empêcher de continuer de choquer le pays. Parce que nous n'avons pas de pays de échange. Nous n'avons pas aucun autre côté. Je dis à 6 000 mamans, papa petit, que nous avons un chômage. Et nous demandons, il faut poursuivre des choukés, pas de pression. Pas de pression dans mes voyous, dans mes délinquants qui disent c'est peuple qui est pas vrai. Peuple a fait dans l'arrière. Si peuple a fait des choukés, il n'y a pas de monde qui a campé. Peuple a pas dans des choukés. Peuple a dit non. Il a dit président Jovenel, pas monter gaz. Président Jovenel monter gaz là, c'est normal pour mettre président Jovenel en 2 août. Et monde qui t'a revendiqué pour gaz, il n'y a pas dans des choukés. C'est nèg qui est maintenant dans la liste. Pour venir président provisoire, venir premier ministre, et puis poursuivre les gens. Parce qu'ils connaissent très bien. Mais qui monte, comment on défend nos peuples? Pour le $1,000. Oh mon Dieu, ça veut dire. Ou, mais c'est quoi ça, on peut premier? Eh bien, moi-même, en ce sens, nous croyons. Un, président Jovenel doit prendre responsabilité avant le total. Non seulement, vous voyez Jacques Guy, la faut aller, mais choisir un premier ministre tout, qui est capable, qui est techniquement compétent, veiller. Parce que ce n'est pas mafia qui est à côté de lui, qui infiltre l'autre premier ministre, permettre qu'elle ait un premier ministre qui est capable de répondre à des idérata population pour que demain matin, la situation ne soit pas grave. C'est notre objectif ce matin, nous rencontrer la presse pour nous joindre par Jacques Guy Lafontaine. Un premier ministre techniquement compétent, politiquement responsable, et pendant le président Jovenel maintenant, pour le mettre à l'écoute de la population pour empêcher le pays à tomber dans l'autre. Dans Sovic, mettez avec. À côté de solidarité nous à la population qui est victime, le secteur privé, hein? Mais en même temps tout, dénoncer délinquants, voyous, des chouquets qui ont infiltré revendication population, hein? Comment les gens qui ont manifesté dans la rue. Nous voulons aujourd'hui que tout le monde connaît. Nous honte pour soi-disant quelques leaders dans l'opposition qui croient que la meilleure façon pour conquérir le pouvoir, c'est dans déchoucaille, c'est dans craser briser, c'est dans bouler, c'est dans mettre à genoux la classe moyenne. Je dis à nous dire, il y a l'autre fois encore, population haïtienne, peuple haïtien. Revendication était juste, elle était plus que juste. Oui, manifestation capable de faire, population qui a mis des barricades, c'est l'estimé, elle frappe, mais elle n'a pas attendu. Cependant, arriver pour détruire toute institution, commerce, mettre des faits, craser, briser, détruire classe pour un an, ou pas qu'à pêcher un monde, ou dire qu'on défendre un monde pour ne pas payer. 309 gouttes de gallon gaz et pour bouler machine ni 200 qui vaut 100 000, 250 000 qui vaut 100 000 qui vaut 50 000, 80 000 dollars américains ou bouler le machine dit parce qu'on pas voulu le payer un gallon gaz $300 $60 nous pas quoi que logique dans ça pour y tuer au monde pour parce que ou wap défendre pour pas payer un gaz, un gallon gaz de 173 gouttes. Mais pas quoi. Ça veut dire, je dis à nous-mêmes, nous dit, peuple haïtien, gardez dans l'entourage là. La République dominicaine besoin bataille contre la corruption. Près de 500 000 personnes descendent dans la rue. Ils ont manifesté, hein? Ils n'ont pas cassé machine, ils n'ont pas cassé magasin, ils n'ont pas pillé, ils n'ont pas volé. Revendication yo passé au Brésil. Population brésilienne n'a fait l'état brésilien fait bac sous augmentation prix gaz. Yo pas crasé, yo pas pillé. On met car quoi problème parce que ça a l'état n'a goumé. Mais classe moyenne ça nous tout connaît dans qui l'enfer la vivre, dans qui situation difficile y a vivre. Ou coûter bandit qui est filtré ou pas arrêter nèg sa yo cap craser cap piller cap déchouquer non c'est ou yo utilisé comme bouclier humain ou accepter et puis on en radio
nous croyons qu'il n'est pas normal. Et ça qui est drôle aujourd'hui, c'est lorsque je entendais des avocats et des députés qui ont revendiqué de Choukaïo, qui ont revendiqué que la justice, le parquet n'a pas le droit de mettre l'action publique en mouvement contre les gens qui ont volé les choses, contre les gens qui ont pillé les choses, contre les gens qui ont mis les choses. Dans quel pays nous sommes? Eh bien, nous-mêmes, nous attendons à ce que l'autorité à plus haut niveau prenne responsabilité parce que, je me rappelle, nous-mêmes, nous avons déjà dénoncé, nous avons dit d'abord à président Jovenel que Jacques Guy Lafota n'est pas capable. Et c'est ça que tu as expliqué toute manifestation que tu as fait pour ne pas arriver là. Je dis encore, nous t'entendons dans le regard qu'a fait pour Jacques Guy Lafota démissionner. Nous voulons que l'État, à plus haut niveau, prenne responsabilité. Parce que ça que fait là, ce n'est pas calculé. Nous-mêmes, militants, qui t'a revendiqué le départ de Jacques Guy Lafota, Jacques Guy Lafota a mobilisé Boy, Simo, Katim, Swat, Idbo, puis il a crasé un bureau que nous avons dans le 60, soi-disant, il a dit que les militaires la donne. Alors que c'est sous deux militaires qui ont été montés. Pourtant, mes bandits, délinquants, ont boulé le magasin, ont crasé, ont pillé, ont tué les gens, pas de policiers, pas de policiers qui répondent conformément à la mission qui s'est servi à protéger. Eh bien, de ce fait, nous-mêmes, je dis, nous demandons encore. Qui ça l'étape tant? Qui ça Jacques Guy Lafota? Est-ce qu'elle n'a pas une famille? Est-ce qu'elle n'a pas une. Pourquoi elle dit ses médecins? Sous ces médecins fait partie d'une famille ou d'une classe ou d'une condition ou d'une amie? Pourquoi il n'y a aucun ami qui dit Jacques Guy Lafota? Le temps pour tirer la référence? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous-mêmes, nous disons, tous militants, combattants qui sont contre nous avec nous, et si il y a une mobilisation, oui, pour revendication, pour la vie chère, pour grand goût, pour chômage, pour insécurité, c'est normal pour tout le monde de coller. Choukaï, nous sommes des militants, combattants, ou même qui habituent à goumer en face de la valasse, c'est pour nous camper en face, pour nous empêcher de continuer de choquer le pays. Parce que nous n'avons pas de pays de échange, nous n'avons pas aller aucun autre côté. Je dis à 6 000 mamans, papa petit, que vous avez dans le chômage. Et nous demandons, il faut poursuivre des choukaïs, pas de pression. Pas de pression dans mes voyous, dans mes délinquants qui disent c'est peuple qui est pas vrai. Peuple a fait dans l'arrière. Si peuple a fait des choukaïs, pas de monde qui n'a pas campé. Peuple a pas dans des choukaïs. Peuple a dit non. Il dit président Jovenel, pas mouté gaz. Président Jovenel mouté gaz là, c'est normal pour yon mettre président Jovenel en deux routes. Et monde qui t'a revendiqué pour gaz, il n'y a pas dans des choukaïs. C'est nèg qui t'a mettre non, yon dans liste. Pour venir président provisoire, venir premier ministre, et puis vous poursuivez les gens. Parce que vous connaissez très bien. Mais qui monte, comment vous défendez nos peuples? Pour 1000 dollars. Oh mon Dieu, ça veut dire. Ou, mais c'est quoi ça, on peut premier? Eh bien, moi-même, en ce sens, nous croyons, un, président Jovenel doit prendre responsabilité avant tout. Non seulement, vous voyez Jacques Guy Lafota, mais choisir un premier ministre tout, qui est capable, qui est techniquement compétent, veiller. Parce que ce n'est pas mafia qui est bon côté de qui infiltre l'autre premier ministre, permettre qu'elle bon premier ministre qui est capable de répondre à des idérata population pour que demain matin, la situation soit pas plus grave. C'est notre objectif ce matin, nous rencontrer la presse pour nous joindre des pages à Guy Lafota. Un, mon premier ministre techniquement compétent, politiquement responsable, et pendant le président Jovenel maintenant, pour le mettre à l'écoute de la population pour empêcher le pays à tomber dans l'autre.